Hey yo les petits potes, c'est Rookie de retour sur Warzone. Dans quelques minutes, la saison 5 va sortir. J'aimerais vous parler d'un atout que j'ai découvert en fin de saison 4. Je ne sais pas s'ils vont le toucher pour la saison 5 ou non, mais c'est un atout en fait un peu particulier. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est l'atout évasion. Donc l'atout évasion qui en fait permet d'augmenter la vitesse de déplacement de 20% lorsqu'on est allongé, accroupi ou à terre. Et moi qui joue sur manette PS5 avec du coup tout ce qui est accroupir, allonger, glisser qui est sur mon joystick droit, donc comme si un peu ça servait de palette quoi quand j'appuie dessus, et ben en fait je fais beaucoup de drop shot et du coup je me suis dit est-ce que cet atout peut changer un peu la donne ou pas, sachant qu'à la place avant j'utilisais soit trempé donc avec deux qui permet d'utiliser deux plaques au lieu de trois, ou soit tracker qui permet de voir les pas des ennemis, et sinon grosso modo j'utilise toujours tour de passe-passe, pas de course et alerte maximale. Et franchement je trouve que c'est pas mal, ça change un peu. Alors après c'est difficile de voir s'il y a une différence ou pas. Mais en tout cas, je vous montre dans ce gameplay. Souvent, donc c'était un gameplay solo duo. Je me retrouvais dans beaucoup de fights en solo duo. Et c'est vrai que les drop shots me sauvaient quand même beaucoup la mise. Et difficile à dire si ça fait la différence ou pas. Mais je sais qu'il y a pas mal de fois où ça passait pas forcément. Et là, c'est passé. Donc j'espère qu'ils vont peut-être buff cet atout. Parce que ça se trouve, 20% c'est pas suffisant. Étant donné que c'est quand même sur des positions assez particulières. Je veux dire, c'est pas non plus ultra cheat. Et surtout, moi je pense que je vais continuer à le jouer parce que je l'ai trouvé franchement sympathique. Voilà, sinon rapidement pour la classe que j'utilise, bah, c'est couteau lancé, grenade fumigène. Là, MCW, pardon, qui est clairement la méta en cette fin de saison 4 rechargée, avec voici la classe à l'écran et la supérie pour tout ce qui est corps à corps. Même chose, classe méta, fin de saison 4 rechargée. Voilà, et je sais pas du coup si ça va être touché pour la saison 5. On aura la surprise. Profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Dans la zone d'opération.
bougez-vous! Il en restait plus que 5. D'ici près.